Le fauteuil asymétrie, ben c'est une idée que j'ai eue il y a 10 ans. J'ai commencé à faire la forme de cet objet avec tout simplement avec une pâte à modeler et pas un dessin. Et ensuite, j'ai travaillé avec la manufacture de Jouve pour pouvoir réaliser en fait en vrai ce qu'est devenu ce fauteuil confortable avec une forme singulière. Pour ce projet autour du fauteuil asymétrie, j'ai eu envie de travailler sur l'objet du cerf-volant. C'est vrai qu'en regardant le fauteuil, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'il y a le travail d'origami qui me vient à l'esprit, le travail du pliage, les lignes qui sont assez apparentes, cette forme qui à la fois est enveloppante et légère. On a fait appel à d'abord la manufacture de Montvalet qui a réalisé les tissus, le tissu en laine bouclée qui couvre les fauteuils et surtout le travail de teinture. Ensuite, les cerfs-volants sont créés sur du satin qui sont aussi teintés par la manufacture de Montvalet. Ces cerfs-volants seront cousus par l'atelier Caraco dans un second temps et c'est un travail de collage, de composition assez minutieux car composé de nombreuses pièces de tissus. Le cerf-volant, c'est un objet qui vole, c'est un objet qu'on tient aussi. Et si on le lâche, il tombe, il se casse, il s'abîme. Donc c'est toute la symbolique de la fragilité, la beauté, la liberté et puis la non-liberté aussi, parce qu'il est quand même accroché à un fil. Et de dire qu'il faut s'occuper des gens et des choses pour qu'ils tiennent.